bande de batteurs. T'es déjà allé là? Je sais plus où on était allé. Putain, faut aller là-haut aussi. Ça, on avait fait. On avait pas fait ça. Je me rappelle plus ce que j'ai gagné. Non, c'est pas ça. Ring cristal, ouais. Ok, ouais, mais ça doit être un truc qui nous met à une altération d'état. Qui nous force à être plein d'Ether Points. On va d'abord sauver lui. Non, ça ira. Je me demandais s'il fallait le sauver. Alors, bon, bah, ça c'est bon. Il y a un autre affaire, on peut pas aller en haut. Non, putain, il y a encore des larves. Faut que je pense à faire un truc aussi. Faut que je donne goodbye à quelqu'un. Allez, Ziggy. Parce que, imaginons. Ah, faut pas oublier ça. Imaginons qu'on peut pas. Qu'on peut pas combattre les larvas, faudrait qu'on ait un moyen de s'enfuir quand même. Ça c'est fait. Donc c'est là que je suis jamais allé, je pense. Il m'en manque que 3. Plus que 2. Non, j'ai pas envie, putain. Je déteste ces ennemis de mort là. Après j'ai plus assez d'objets pour battre les larvas, c'est ça qui est chiant. Le chat il était là, mais contre des larvas je crois. Bon, ça on l'a déjà eu. Ah mais merde. Ok. Non, c'est pas là. Ça va être long. Please stand down. I don't want meaningless bloodshed.
Oh non. Au secours. Ah non, c'est bon, ça les tue. J'ai cru qu'il fallait le faire plusieurs fois, quoi. J'avais pété un câble. Je suis bête, j'aurais dû juste mettre le truc à... à tout le monde, en fait. J'aurais dû mettre l'headshot à tout le monde, ça suffisait. Pire ennemi, ceux-là. Je peux plus m'enfuir. J'ai plus. Ah si. Alors, c'est là qu'on va utiliser Bridge Fading Storm. Oh non. Il n'y a que 44 PV. Ah mais on en a autant que ça. Ah non mais ça c'est S, ok. Et l'autre s'enfuit. Saloperie. Voilà, plus qu'une, donc ça doit être le chat. Car oui, le chat est une personne à sauver. On va refaire comme on avait fait, c'est-à-dire, on va mettre Momo. Non. On va y arriver. On va mettre Momo là, et on va prendre le live shot de Momo. Ouais. Et on va le transférer. À Chaos. Cosmos. Puis à... Ah, c'est tout, hein, parce que... Elle a plus rien. Ouais, pardon. Lui, il a rien. Je commence à fatiguer, je fais n'importe quoi. Ah, là, c'est bon. On va faire très mal. Voilà.
Ok. On va aller juste pour les débloquer, on va les prendre. On n'a jamais vu à quoi ça ressemblait. Ok, on est prêt. Et donc, il manque le chaton. Il était pas par là, le chat. Il me semblait. Il faut détruire les larves. Pour utiliser le bouton. Ouais, je pense que ça doit être ça. On devrait y arriver mieux là cette fois. Watch the enemy closely and react quickly. Unleash some of thy power. Voilà, quand on est bien préparé, ça va tout de suite mieux. On arrive au bout. Hein? C'était bien. Putain, c'est complètement pété le truc. Et il doit y avoir le chat par là, je pense. Heureusement que je me suis rappelé qu'on pouvait transférer les éthers. Hein. Mais le jeu est loin d'être simple hein, quand on connaît pas. Hein. Voilà. Miaou. Il dit miaou en plus. J'aurais pas dit mieux. Boum. Je sais pas si c'est une bonne idée de sortir par là, mais... On était déjà allé là ou pas? Ouais, c'est là où il y a le... Toi tu restes là, mon pote. Ça y est, c'est fini. On n'a plus qu'à s'enfuir. On va
va pas leur parler parce que je crois que ça déclenche la suite. On va d'abord se soigner. Ah non. Le soin d'abord. Ah non, oula. Et voilà. Et du coup là on va s'équiper quand même contre la glace parce qu'on va un boss assez chaud. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Faut pas qu'il le mette parce qu'il faut quelqu'un qui résiste bien quand même. Ah oui, bref, tout le sol, ça sert à rien, putain. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Parce qu'en fait, ça va servir à que dalle. Vu que ça augmente que les attaques physiques. En plus, je l'avais dit dans la vidéo avec Perfect Link. Alors. Ça sert à rien. On va le mettre à Ziggy. Je confonds Brave Tool et Blade Tool. Où est-ce qu'il nous l'a mis? Là, il est où? Blade Soul. Je l'ai pas enlevé? Je suis beau là ou quoi? Non, il y est pas. J'ai foutu. Je l'ai pas enlevé. ok. Donc côte ice, ouais, parce que s'il y a quelques... Ils vont utiliser de la glace. Et on va lui mettre quoi avec? Je pense qu'on va lui mettre Veil, le truc qui met Veil. Ou attaque éther, ouais. Attaque éther, c'est pas mal. Ok. Et ça faisait quoi déjà? Augmente la force. Ah, on va laisser ça comme ça. Du coup, Brave Soul. Voilà. Et lui, c'est bon. On va le laisser comme ça. Le problème, c'est qu'il fait des dégâts. Il va devoir soigner aussi. Donc, ça va être un peu chiant. On va peut-être utiliser. Ouais, non, tant pis, on va laisser comme ça. En fait, je voulais donner une histoire de points à Cosmos, mais ça sert à rien. Parce que c'est. En fait, c'est le sort de. C'est déjà le sort de soins de Chon qu'on a donné à Chaos. Alors là, préparez-vous parce qu'on va avoir un boss assez chaud. Et derrière, on va avoir. Des cinématiques. Beaucoup de cinématiques. Mais elles sont toutes excellentes, dont une qui est vraiment culte. Elle est très connue et je vais en reparler après parce que selon les versions du jeu, c'est pas la même. Enfin, il y a des modifications. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, y en a qu'un. Ok. Donc en fait, celui de droite, il est sensible au slash et celui de gauche, il est sensible au spirit. Mais on va se concentrer sur celui de droite quand même. Pourquoi? Parce que il fait beaucoup plus mal que l'autre. Ah ouais, il y a une grosse différence de dégâts. Donc elle va faire Exbuster à chaque fois. Ils ont repris la cinématique pour faire l'attaque.
Vous voyez que ça fait quand même mal. Hein. Et du coup, c'est lui qui va faire le plus mal. Sur celui-là, sur l'autre, c'est Chaos. En plus, l'avantage, c'est que Ziggy il va perdre des PV. Du coup, il va faire plus mal. Ouais, celui-là, il fait de 100, donc ça va. L'autre, par contre, vous allez voir les dégâts qu'il fait, c'est n'importe quoi. D'où le code Ice. Alors ils ont des objets à voler mais c'est vraiment pas ouf. Donc on va pas s'embêter à le faire. De toute façon on peut pas avec ces persos, il y a que Shion et Momo qui peuvent voler dans le jeu. Normalement il devrait faire beaucoup plus mal là. Voilà, 800. Je l'ai calmé quand même. Bonus de points. Et après, il y a quoi? Après, il n'y a rien normalement. Ah, il a plus que 300 PV. Ok. Bon, on va faire Exhaustor. C'est pour ça que Brave Food là, c'est indispensable. On dirait pas, mais ces boss peuvent vous tuer assez facilement. Hein. Ils ont des grosses attaques de zone. Là, par contre, il pourrait tuer Chaos. Et si je vois qu'il fait pas assez, c'est bon, il fait assez. Sinon, j'étais prêt à. Et t'es Ziggy. Medicaol. Bah une fois que celui de droite est mort, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que lui, il fait pas si mal, en fait. Enfin, quoi qu'il pourrait tuer Chaos. Mais... je pense qu'on va... On va tenter avec ça pour voir ce que ça fait. Si je vois que ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts, je garderai l'autre. Vous voyez, Ziggy il est trop fort, hein. Il soigne super bien tout seul. Il a beaucoup de vie, il fait des gros dégâts. Et là, c'est dommage qu'on ait pas le temps sur notre perso. C'est pour ça qu'il faudrait Shion. De toute façon, Shion elle est trop forte, hein. C'est la meilleure soigneuse soutien du groupe. Malheureusement, on peut pas le tuer à chaque fois. Je vais peut-être utiliser le live shot plutôt. Ouais, je vais utiliser live shot. Parce que j'ai pas envie de soigner Ziggy en fait. Ah ouais, il va attaquer deux fois. Ah vas-y, tape Ziggy. Ah lui, il fait des attaques moins cibles assez fortes, mais... Wouah... Ok, je m'attendais pas du tout à ça. Bah, je vais le tuer, hein. Tant pis pour Ziggy. En fait, c'est des boss avec peu de PV mais qui font très mal quoi. Dommage pour Ziggy. Il a quand même loupé beaucoup de points.
Mais bon, c'est pas grave. Arctic Blast, ah ça c'est cool. Grosse attaque de glace. Et là, on va pas s'embêter à se soigner, parce que de toute façon, il n'y aura plus de combat. On a enfin fini cette zone. On rentre au bercail. Notre but, c'était bien de sauver les autres. Et là, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinématiques. Je vous laisse voir ça. On parlera peut-être entre les cinématiques. Comme vous l'avez vu, Albedo fait un petit massacre. Ah ça, il faisait pas qu'il soit complètement taré, faut qu'il soit surpuissant, hein, sinon c'est pas drôle. On pourrait le comparer à Kefka par exemple, mais vous verrez que c'est pas ça. On verra beaucoup son background dans le 2. Il a pas toujours été fou et justement c'est pas juste un petit copain de cliché. Qui fait le fou quoi, c'est assez profond son passé. On en parlera plus dans le 2 parce que tant qu'on sait pas ce qui s'est passé, on va pas trop en parler. Mais vous allez voir quand même, il y a vraiment des scènes cultes avec lui. On va voir la cinématique là dans la vidéo. Je pense que vous allez pas l'oublier celle-là. Vous allez pas l'oublier, mais par contre, éloignez vos enfants. On va aller faire ces mots et vous me rappelez que Albedo veut Momo, donc là on a un peu le stress quand même. Donc là on se dit bon bah allez, elle a dû rentrer. Je me fais troller par les PNJ. Je fais quand même des grands pachons quand même. C'est agréable je trouve les RPG où les persos marchent pas de là. Donc là on va être dans la zone résidentielle puisqu'on se dit bah si Momo est rentré, elle doit être là-bas. Bon allez j'arrête de faire semblant où vous avez. Je pense que vous avez compris aussi bien que moi qu'elle est pas là. De toute façon il n'y a qu'une navette donc vu qu'on l'a prise, elle était pas dedans. Je vois pas comment elle serait rentrée dans le Durandal. Ouais, alors ça c'est ouais. On va quand même nous montrer que ça s'est très mal passé ici. Have you seen Momo? No.
She's not back yet? I thought she was with you. She stayed behind to treat the injured. But she wasn't there when we returned. We thought she might have come back on her own. Damn, where the hell is she? All right. I'll get our 100 series to start searching. They shouldn't have any trouble being the same model and all. Thanks. We've eliminated the Gnosis within the colony, but there isn't any guarantee they won't be back. Rebuild the fleet formation first. Hey, any data from the 100 series? No, sir. The Gnosis are gathered around the 1600 kilometer radius surrounding the Kukai Foundation. I knew it. Damn, Helmer. Ils ont besoin des réactions stérilisantes parce qu'ils ont les failbert. All turrets, adjust your sights to the Kukai Foundation. Destroy the source. Là, ils veulent les trois fondations parce qu'ils pensent que c'est ce qui attire les Gnosis. Sauf que c'est pas ça, c'est la chanson de Nephilim. Number 0097. My sister. That's it, isn't it? Alors ça, c'est les anciens modèles de Ralliant parce que Momo, c'est une série 100. Ça, c'est les... Série 99, ou aussi appelée Kirschwasser, je sais plus ce que ça veut dire exactement, un truc genre fleur de cerise, un truc du genre. You're still alive. Are you okay? Et on voit qu'il est souvent avec Albedo.
Alors là, si vous vous rappelez, on l'a vu ça donc on était sur la première Milicia là. C'était Labyrinthos. Donc l'endroit où Misraïa fait les expériences avec le Zohar. Et on le voit aussi là. Quand il a créé Momo. You must do many good deeds. If you do, you can become human. You can become my Sakura. Alors là, il dit le nom de Sakura. On ne sait pas encore qui c'est. Of Gnosis gateouts are near the center of the foundation. What about the Zohars in the hangar? They're in stasis. Attract inhibitor output is normal. So if the Zohars in the Durandal aren't calling the Gnosis, then... Guinan. It's that song we've been hearing, isn't it? Indeed. It's faint, but there's no mistaking it. No one else seems able to hear it, though. Hey, do you guys hear something? It sounds like a song. A song? I don't hear anything. You sure you aren't imagining things? I don't know. I swear I can hear it. She hears it. How's that possible? Why am I feeling so unsettled? This image just won't leave my mind. You too? This darkness? I feel like I'm being dragged down into an abyss. Non, si vous trouvez ça bizarre, c'est parce que... ils peuvent communiquer par télépathie, Gegnoun et Junior. Alors là, préparez-vous. I knew it. I knew I wasn't imagining it. Je rigole pas, éloignez vraiment vos enfants. Such tears. What beauty they hold. These tears of sorrow. Surely they are the most precious substance in the world. But are you worthy to shed such tears? The act of mourning the dead belongs to the realm of humans. You did this, didn't you? My beautiful little Kirschwasser. But still, can you really call this a corpse? Frailty, thy name is woman. No, that's not right. You little Rialians weren't even born from a woman's womb.
human race, fearful in its weakness, built this world in a futile attempt to elude the abyss they call mortality. Culture, civilization, all delusions created by a powerless race, and of little use, like a barren woman. But amidst all this, you continue to exist as an unfettered soul, free from the shackles of flesh and blood, a completely pure consciousness, an eternal spiral, undefiled by impurities, a fusion of fire, breath, and spirit. What can we call you but angels? New, unadulterated psyches. But what you lack is reality, and that is what I shall provide you with! There's no need to tremble like that. Else, you'll make me feel like a Pêché myself. Was that a glimpse of a man that I caught in your heart? Who is it? This red-haired. Red-haired. Rubido. Ah, oh, it's Rubido. Oh, that's just perfect! Do you know what he said while he coughed up his lifeblood? Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Wheat. There's enough of it. We can afford to waste as much as we want. Like my head, you see? What do you think, my beloved Pêché? Alors là, je me permets de mettre la pause pour parler de cette cinématique qui est très importante. Déjà, elle est importante parce qu'elle est culte, bon, vous l'avez vu. Il y a peu de jeux quand même où on voit des persos aussi cinglés, en plus il est masochiste, enfin il est complètement taré. En plus, il n'y a que des punchlines incroyables. La musique est trop cool, enfin il est trop bien quoi. Bon, je dis pas que c'est trop bien, hein, il est complètement fou, mais c'est super bien fait quoi. Mais en fait, c'est aussi parce que je voulais parler d'une chose, c'est que cette cinématique a deux versions en fait. Il y a une version japonaise, ou undub en fait, parce qu'il y a plusieurs versions. Et en fait, je vous mettrai un lien dans la description, je vous conseille d'aller le voir. On voit en parallèle les deux versions. En fait, dans la version originale, il a un couteau. C'est pour ça que des fois, on voit comme s'il était vers Momo et il a sa main, mais un peu loin. C'est parce qu'en fait, normalement, il a un couteau sur son visage. Et parfois, on entend des sons, comme au tout début, quand il a la Kirschwasser dans le bras, on entend un crack quand son bras tombe. Et c'est parce que ça, c'est censuré. Normalement, il lui casse le bras, en fait. Et également, on entend le bruit où il sort le couteau alors qu'il n'y est pas. Donc on pourrait dire que c'est une censure, sauf que il y a certains passages, ils sont pires sans le couteau, parce que par exemple, le moment où il s'arrache la tête à main nue, normalement c'est avec le couteau, je suis pas sûr que ce soit mieux, mais... enfin voilà, à vous d'en juger, mais en tout cas je vous conseille d'aller voir cette scène, qui de toute façon est tellement bien faite et culte qu'elle est à regarder à nouveau.
Et je vous mets la suite. Captain, we haven't received our orders to attack from Fleet Command yet. That's irrelevant. Their treachery is already well known. We'll settle this right now. Target the Kukai Foundation. All ships, fire on... What was that? Impossible. That isn't supposed to be here. So she's operational now. Chief! Miyuki? Where are you calling in from? Woohoo! Pretty cool, huh? Did you see the Rhine Maiden? I am so glad I requested that transfer to Second Division. If I didn't, I never would have seen this beauty in action. Second Division? What are you... I'll tell you later. Is Cosmos there with you? Huh? Yeah, but... Okay, I'll send it over then. Miyuki, isn't this... There's some type of force field concentrated near here. There's a very high probability that it's what's attracting the Gnosis. A force field? Right. The observational guy said that whatever it is, it's definitely something man-made. Anyway, we can find the origin of this force field if we link up the Dameron's mainframe with Cosmos's DSSS sensor. It appears as though the enemy's using some kind of cloaking device to conceal itself right now. But there should be a wrinkle or two in the surrounding space, though. We figured that if we can tear those open, we'll be able to find out what we're dealing with. Is that why you gave me this PT cartridge? I mean, do you have any idea what this thing is? Of course! Or so I'd like to claim, but I actually just transferred in, so I'm not really sure. Look, Miyuki. This cartridge is a weapon. It sets off a phase transfer that destroys everything in the area. It may be localized, but you could vaporize an entire star with this thing if you wanted to. You'd have to be insane to try using this in a populated area. Xion. What is it, Cosmos? By limiting the phase transfer mass, I can activate the device without impacting either the Federation fleet or the Kukai Foundation. You can do that? Affirmative. This is one of my many functions. Even the Rhine Maiden's got a limitation to how much she can fire. Let's take out the source before the Gnosis overwhelm us. But... Xion, this is the Song of Nephilim. There's no question about it. The Song of Nephilim? What is it? The single worst creation that ever resulted from Joachim Mizrahi's research. It was the song that destroyed Milsha and summoned the Gnosis,
We've got to stop it before everything goes out of control. Out of control? And we still haven't found Momo yet. We've got to move. I know, but... Any sign of Momo yet? We're still scanning, but we haven't located her yet. I see. We've got to make a decision, Shion. We can't hold out against another Gnosis attack. All right. Let's see what we can do. Listen to me, Cosmos. Try to keep the phase transfer mass as low as possible. All we need is the locus of that force field. Affirmative. Setting transfer mass to 0.11 MPT. Transfer time set to 4.8 times 10 to the negative 38th. Loading cartridge. Bypass between DSSS and mainframe secured. Opening multi-directional scan. Distortion detected at direction 8018, near the UMN structure. It is currently emitting a weak column pulse. That's it. And your line of fire? Line of fire, clear. Awaiting orders. Shelly, are the anti-electromagnetic shields ready? Preparations are complete. You may fire at will. Roger. Cosmos, fire the phase transfer cannon! Expected. I think I'll have a look around for that key that sleeps inside you. Exactly the same. Nothing's changed at all. So that's the Song of Nephilim. Dr. Mizrahi's. Milsha's. Help me, Junior! Momo! Momo's inside that thing! Are you certain? 100 series observational unit prototype Momo, tracked and located. She's in the middle of the distortion, caused by the phase transfer. Momo? What's she doing in there? Damn it! It's him! Albedo! I felt his presence the moment I heard Momo's voice. Ah, Albedo. That explains what that unsettling feeling was about. Not to mention why she's there. What do you mean? That girl, Momo, not only is she a specialized Realian, but also the repository for the late Joachim Mizrahi's records.
Albedo and the UTIC organization want that information. They've wanted it for a long time. Albedo? Who's that? My dark half. The part I've tried to hide away. Dark half? Junior, get this ship closer to the Song of Nephilim. What? It isn't necessary to get too close. Just lend me a shuttle, that'll be enough. Hold it! Where do you think you're going? I'm going to save Momo, no matter what. Don't bother. What did you say? When someone close to you is in danger, you lose your objectivity. And it almost always ends in tragedy. I've seen it happen too often. Oh, what? So I'm just like them now? Aren't you? This Albedo person. When you finally confront him, do you think you can keep your head straight? If you can honestly say yes, that's all I have to say. But if you can't... You're really something, you know that? You think you're such a hardened soldier compared to me. Tell me then, how can I become cold and detached like you? Only allow yourself to think of numbers and battle strategy. Don't let your mind wander to the faces or voices of those precious to you. Even when it seems cruel not to. Too intense of an interference will overwhelm and ruin everything. That's what I've learned over these past 100 years. The day numbers and battle strategies replace people, it'll be game over, Cyborg. Junior, remember to stay focused, no matter what he does to Momo. Only by doing so will you be able to save her. Listen to my advice. I know what you're going through. Et voilà, on a enfin trouvé la chanson de Nephilim, qui n'est donc pas juste une chanson, hein, mais bien une création technologique de Joachim Mizrahi, dans lequel habite Albedo. Et du coup, on va devoir y aller, c'est un très gros donjon. On a vu beaucoup de choses dans ces cinématiques. On va essayer d'en parler en même temps qu'on va faire le donjon. Mais ouais, je pense que c'est les passages cinématiques les plus importants du jeu, puisqu'on voit, enfin Wilhelm en action avec son vaisseau, là, le Damrung, et son arme, la Vierge du Rhin. On voit le passage culte avec Albedo et Momo. On voit la confrontation entre Junior et Ziggy. Qui sait de quoi il parle, puisque s'il dit tout ça à Junior, c'est bien parce que c'est ce qui lui est déjà arrivé, en fait, en connaissant son passé tragique, qu'on ne verra pas dans la trilogie, mais qu'on voit dans un jeu qui est à part, j'en avais déjà parlé. Mais en tout cas, on va se quitter là, parce que ça commence à faire comme une grosse vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vais quitter. On se dit à la prochaine et puis on parlera de tout ça dans le donjon, parce que de toute façon le donjon, c'est un donjon. Et du coup ça va plus être des combats que de l'histoire, mais vu qu'on a eu un énorme gros morceau d'histoire là, on va pouvoir en parler en même temps. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis, on va faire le petit mail. Voilà, on a deux nouvelles attaques, Eshine et Arhammer pour Cosmos. Mais je vous dis du coup à la prochaine pour le gros donjon, la chanson de Nephilim et la confrontation arrive bientôt entre Junior et Albedo. Voilà, à plus, salut.